الله يسامحك. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. نعم غادي نسدو اون فيت والو بقاتلنا غير 10 مينوت وغنسدو. و 10 مينوت عشان دقائق اللي بقاو غنسدو. وي وي انت غا حدانا الا كنتي قريب. مرحبا دخل. يلا داكو غير غير دخل ياك عرفتها في كينو. يلا تفضل تفضل. العفو مرحبا مرحبا. لي بيرسون با دير دي بيستاج ديالها. المشكل مع ديك الطبيبه اللي مشيت لعندها لهذا السبيطار. شو قالت لك؟ انا قبل هذاك اسمي. اها. بدا جاي من الجمعيه عرفتني كان هكاك. اها. خصك تحيد هذا الشيء. انت في هذا العمر هذا وتير هذا الشيء ومحشمتش عليك. محشمتي. انت شنو قالت لك تحيد؟ ها؟ شنو قالت لك زعما تحيد زعما توقف لي براتيك سيكسي زعما انت شنو؟ فين كان هذا السيد شنو في الطال؟ هذا هذاك سيفيل. سيفيل؟ اها. قالت لك زعما نصحاتك زعما ولا شنو؟ داكوغ. وأول مرة كيطرى هذا الشيء ولا؟ هادي فريمون لا دوزيام فوا حيتاش كان وقع لي نيت في السبيطار تيهز الزرق توني اللي كاين في المسيرة. ناحيه انا فراسي المشكله سي كو لحد الان مازال ما تلاقي مازال ما تلاقيناش زعما. كنا خدامين على فكره تاع مرصد اللي غادي زعما يمشي يرصد هاد بحال دابا كيف ما لوكا تاع كيف ما طرالك دابا انت مشيتي على قبل انك تستافد واحد لو سيرفيس ياك اللي متعلق بالصحه ديالك. انت تلاقيتي سيدا كتبقى كتعطيك الموعده وما نعرف شنو ياك. انا ماشي شغله هي اللي خصها دير. هو انا دير خدمتها جيتي الدواء جيتي بغيتي لا كونسلطاسيون غتواجه معاك هذاك لاكطو في لا كونسلطاسيون تكتب لك لوردونونس الا كاينه تعطيتك سميتو. ماشي شغله تقول لك حبس الهوموسيكسواليتي ولا تي براتيك زعما اللي هما اللي هي الهوموسيكسواليتي ديالك ولا لا. حيتاش هذاك ماشي خدمتها ماشي البيزنس ديالها دي تو. Je me suis battu pendant une période, par la suite j'ai fini par démissionner parce que je supporte plus. C'est épuisant. Le comportement dans le travail. C'est épuisant. Tu imagines les mêmes personnes avec qui tu déjeunes tous les jours, sont tes collègues, tous les jours sur la même table. Le jour où ils découvrent que tu es séropositif, tu te trouves tout seul. Tout à coup, tu es devenu un criminel alors que. Parce qu'on ne veut pas s'afficher avec une personne séropositive. C'est la séropositive. Bah oui. Ça, en tout cas, c'est mon vécu à moi. Et puis, il y a d'autres personnes qui vivent encore pire que pour moi. Vous étiez-il obligé de savoir que vous avez... Moi, c'est pas moi qui ai communiqué l'information, c'est le médecin du travail. Donc il n'a pas respecté la confidentialité, il a communiqué l'information. Quand est-ce que tu as été diagnostiqué pour... Tu as su... 2011. Ça fait déjà 7 ans. C'était ma première année. Je venais d'avoir mon diplôme. C'était d'avoir mon premier boulot. Ouais. C'était pas évident. Bon, j'étais pas diagnostiqué. Il faut savoir que j'étais diagnostiqué dans la dernière étape. Parce que moi, je suis passé par l'étape SIDA. Carrément. Dernière étape. J'étais hospitalisé. Je pesais 52 kilos. Bon, j'ai failli mourir. Donc, il y a d'autres personnes hein, qui arrivent très tôt. C'est très facile de les traiter. Comment ça se passe au milieu de travail avec les personnes vivant avec les VIH? Mais tu vois, avec la procédure des papiers, la CNSS, machin, comment ça se passe ça? En ce qui concerne ma situation à moi, il va falloir attendre le livre. D'accord. Bah oui. Parce que moi, j'ai subi... Ouais, j'ai hâte. Anna, j'ai subi les martyrs. Anna, ils ont...
Ils ont véhiculé l'information. Je suis devenu la bête de cirque. Il y a l'administration qui m'ont convoqué. J'ai subi la pression pour démissionner. Je me suis battu pendant une période. Par la suite, j'ai fini par démissionner parce que je supporte plus. J'imagine pas. Je pourrais plus vivre au Maroc si. C'est ça, continue comme ça. Faut chercher un autre endroit, sincèrement. Mais bon, ce que je suis pas trop fan de l'idée de quitter le Maroc et puis de. Si tout le monde quitte le Maroc, il va changer de pays. Bah oui, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de. C'est une épuration. Je pense même pas à ça, écoute. Hein. Moi, je vois très bien nos chers amis, les demandeurs d'asile. Hein. Ah oui. Donc. C'est pas évident. Non. C'est pas évident. On milite. Mais on reste des êtres humains. À un moment donné, on n'arrive plus. Dès que tu te réveilles le matin, il y a ton statut, ton orientation sexuelle affichée là. Il y a toute ta vie. Je ne sais pas, je n'en veux le terme. Ça influence toute ta vie. Ça va être cool, là. Alors, le statut sérologique, c'est encore pire. C'est une raison pour abandonner le combat ? Non. Moi, je suis toujours présent. Moi, je suis toujours présent. J'ai toujours de l'énergie. Mais sincèrement... T'es pas vieux ? Non. Pas encore. Mais... Jusqu'à quand ? On a une réserve d'énergie limitée, on va se dire, les êtres humains. Qu'est-ce qui te fait peur dans la durée? Jusqu'à quand? Ça veut dire quoi? C'est pour. Tu parles pour. C'est qu'il n'y a pas d'espoir? Non. Contre la discrimination et la stigmatisation, ouais, c'est de ça que je parle. Faire face à ça tous les jours, c'est fatigant. Il y a des endroits où dès qu'on découvre que tu es séropositif, on change carrément de comportement. Moi, j'ai mon dentiste. Le jour où je lui ai demandé je lui ai communiqué l'information que j'étais séropositif, il m'a mis dehors. Carrément. Alors qu'avant, il était hyper sympathique et tout. J'étais un patient comme tout le monde. Il m'a mis dehors. Ça, c'est un exemple. Sachant que moi, je sais me défendre, pour te dire. Bah oui. Pour d'autres personnes, j'imagine ce qu'ils vont faire par la suite. C'est stressant, vraiment. C'est ça. Le nombre de tentatives de suicide de personnes vivant avec le VIH est très élevé. Pourtant, on parle pas de ça. C'est bizarre. Ça. On parle pas de ça. Moi, au début, j'ai fait une tentative. À cette époque-là, j'étais tout seul. J'avais personne avec qui je pourrais en parler. Et je me sentais comme un criminel. Toi qui as vécu la stigmatisation, pourquoi on stigmatise les personnes vivant avec le VIH? Parce que les gens ont peur d'être contaminés par les gens vivant avec le VIH, ou bien c'est parce que... Le citoyen marocain, désormais, je pense qu'on sait comment on transmet le virus, comment ça se transmet. Non, c'est pas ça. Mais il y a certes manque d'informations. Neslimatia Alfouch, la personne séropositive, s'il prend son traitement pendant une durée déterminée, il arrive à ce qu'on appelle une charge virale indétectable. C'est-à-dire le virus, la concentration dans le virus, elle est tellement faible qu'on n'arrive pas à le déterminer. Donc la personne, il ne transmet pas le virus, même en ayant un rapport sexuel non protégé. Donc elle dit déjà clair. Là, l'âge qu'elle a une sérophobie
Les gens ont peur de s'afficher avec des personnes vivant avec les personnes. Le statut d'elle, des personnes vivant. Puis il y a d'autres, il y a des racistes pour n'importe quelle raison. C'est pas bon quand on les moyens par lesquels on peut avoir, on peut choper le VIH. Est-ce que la sodomie n'est pas plus rapide à le donner que les autres moyens? La sodomie, c'est quoi ce terme? J'adore, non mais je plaisante. Non mais bon. Tu veux que je te fasse un dessin? Non. Non mais je veux faire un dessin. C'est un rapport en moi, c'est ça? Non je plaisante. Mais vas-y, tu peux répondre. Non, je trouve pas de... C'est une question bête. C'est une question bête, je suis désolé. Tu penses pas que le risque est comme double quand on parle des rapports anals? Il y a des vaisseaux, Zemmef, les deux appareils. Les deux voies, vaginale ou anale, il y a des vaisseaux, Zemmef. Des vaisseaux sanguins. Bon. Je sais pas. Je sais pas. J'en suis pas sûr. Je sais pas vraiment. Et la question prochaine serait, comment vous avez eu le virus? Ah oui, vous avez en parlé? Je sais pas, j'ignore. À l'époque, je vivais avec une personne. Donc, j'ai tout de suite, je me suis dit que c'était lui. D'accord. C'était c'est plus qu'un partenaire, c'était un copain. On vivait ensemble pendant une année et demie. Et lorsque je me suis dépisté, je trouvais que j'étais séropositif, je me suis dirigé vers lui. Dans ma tête, dans mon imagination, je me suis dit qu'il est, ça serait bah, sûrement lui. Il s'est fait dépister, il est séronégatif. Tu imagines? Même en ayant des rapports sexuels. C'est ça le truc, tu vois? En permanence. Tu sais, les homosexuels, ça fournique. Bah oui. Ça fournique. Et la réaction. Fournique. Mais ça fournique, ça peut changer si un jour c'est possible de se marier ici au Maroc. Pour moi, c'est pas ce qui est le plus important. C'est juste de soit dépénalisé, voilà. Et qu'il y a des lois qui nous protègent des homophobes. Exactement, c'est exactement ça. Les homophobes, les transphobes, les LGBT-phobes, quoi. Mais vraiment, c'est ça. J'ai très tôt un temps. Non, c'est pas bien. Hein? Rien de là-dedans, non. C'est pas mal, ça. J'aime bien ça. Hein? Même comme ça, ouais. Ça, non. Sur ta vie, clé. Tu fais ce que tu étudies, là. Ouais. Il y a quelques années, je suis bizarre. Ah, 1970? 1980?